بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي المتتبعون أو المتتبعين لهذه القناة. مرحبا لجميع المعجبين بهذه القناة. مرحبا بكم في درس جديد. Bonjour à tous. Bonjour à toutes. Bonjour à téléphone de ma chaîne. J'espère que vous allez toujours très 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 bien. Comme d'habitude, ma présence aujourd'hui ici, c'est pour vous présenter une nouvelle leçon. La leçon d'aujourd'hui, ce n'est pas une leçon destinée aux écoliers, hein, ça veut dire une leçon du programme, hein, de la langue française, mais l'objectif de notre leçon aujourd'hui, c'est de vous présenter la didactique, la méthodologie d'une leçon de conjugaison. Bon, soyez attentifs et suivez bien. Didactique de la conjugaison 5e et 6e année primaire. Ça veut dire la didactique de la méthodologie d'une leçon de conjugaison. Il est destiné pour les écoliers de la 5e année enseignement fondamental et les élèves de la 6e année en fondamental. Bien, alors premièrement, avant de commencer la didactique, on va essayer de parler de l'en-tête d'une fiche de conjugaison. C'est la même chose que celle de la grammaire. L'en-tête de la fiche de conjugaison, toujours à gauche, j'écris le cours pour définir quel cours, 5e, 6e, 4e, 3e, etc. En 5e année, enseignement fondamental. 5e année, enseignement fondamental. EF, enseignement fondamental. Ici, nous avons la fiche numéro 1, numéro 2, numéro 3 par ordre depuis le début de septembre jusqu'à la fin de juin. Alors, au milieu, j'écris le titre de la discipline. Ça veut dire le nom de la discipline, ça veut dire la conjugaison. Alors, puisqu'on est en train d'identifier la didactique de la conjugaison, donc on va écrire conjugaison. Donc, voilà la discipline. À gauche, j'écris la leçon, ça veut dire le titre de la leçon que je vais enseigner, que je vais présenter à mes élèves. Donc, c'est les verbes du premier groupe au présent. Les verbes du premier groupe au présent, ça veut dire les verbes qui se terminent avec le L. En bas de la leçon, j'écris le matériel. Quel est le matériel utilisé pour présenter ma leçon? Donc, toujours, on emploie le tableau avec la craie de couleur, les ardoises, procédé la martinière et les cahiers. Il y a les cahiers de cours, ça veut dire les cahiers où on écrit les règles. Et il y a aussi les cahiers pour faire des exercices d'application, ça veut dire les exercices qui se trouvent sur le manuel. Bien. Alors, en plus, j'écris le référence. Ça veut dire que la leçon que je viens de présenter, quelle est le référence? Est-ce que le référence, c'est la présentation du maître lui-même ou bien un manuel. Alors ici, nous avons référence manuel de français 5e année fondamentale, ou bien 6e année fondamentale, ou bien 4e année enseignement fondamental, etc. Alors ici, toute leçon, elle a des objectifs à atteindre. Il faut les signaler. Alors les objectifs, ça veut dire identifier les objectifs de notre leçon. Alors, par exemple, ici, nous avons le titre de la leçon, c'est les verbes du premier groupe au présent, hein? Alors on va écrire comme objectif les verbes du premier groupe, l'infinitif de ces verbes, la conjugaison, les terminaisons, etc. Et le temps. Et le temps. Alors maintenant, passons à la leçon. On va commencer par l'étape 1. Voilà l'étape 1. Alors, quel est le titre de l'étape 1? Rappel et remédiation. C'est-à-dire, au moins, c'est-à-dire بالدرس السابق ومعالجة إن كانت هناك سا غلط سيير دي بروبليم بيان. Alors le professeur rappelle la séance précédente. Le professeur, l'enseignant, l'instituteur rappelle يذكر la séance précédente بمعنى الحصة السابقة en proposant. Comment? Ce n'est pas de poser une question pour apprendre la règle, mais il faut toujours la pratique. En proposant un exercice. Toujours la pratique. Un exercice aux élèves. Alors, ce dernier exercice est fait sur les ardoises. Ça veut dire que l'exercice écrit au tableau, les élèves répondent
sur en employant le procédé Lamarckien, ça veut dire PLM, les ardoises. Ce dernier effet sur les ardoises est permis, hein, est permis. Ça veut dire que cet exercice qui se fait sur les ardoises, il a pour objectif de consolider les acquis des apprenants. Et remédier ou aux erreurs s'il y a lieu. Il est les erreurs. Ce rappel permet également de réviser des notions qui seront. Alors, ce rappel, quel est le but de ce rappel-là? Ce rappel permet, على مراجعة ديال المفاهيم كي سوغون انديسبونسابل. هاد التذكير او هاد المراجعة هادي سو غابيل تيساعدنا تيعطينا واحد الدور مهم فاش في المراجعة ديال المفاهيم كي سوغون اللي غادي يكونوا انديسبونسابل بوغ لا كومبريونسيون دو لا نوفيل لوسون. هاد التذكير تيساعدنا للفهم ديال المفاهيم اللي غادي نقدمهم في الدرس الجاي. بون فوالا لا بروميير بارتي. انا جي في اكسبليكي لا دوزيام بارتي سور لو طابلو. الو اتوندي موا سيل فو بلي. بيان جو تيرمي ليكسبليكاسيون. الو اون ا دي كو سو رابيل هاد التذكير اللي سنذكرو بيه سنذكرو كلام دبي الهدف ديالو هو انه سيساعدنا على المراجعه ديال المفاهيم اللي غادي نستعملوهم وغادي يكونوا مهمين فاش لا كومبريونسيون في الفهم ديال المفهوم الجديد. دونك سي اون ميز اون تران اون ميم طون سي ان رابيل اي اون ميم طون سي لا ميز اون تران على نوفيل نوسيون على نوفيل لوسون. ليتاب 2 المرحله الثانيه présentation du support et explication. تقديم السنة والشرح ديالو. هنا غادي نطلقوا الدرس الجديد اللي تقديم المفهوم الجديد. Alors comme pour la science, comme pour la science de grammaire. بمعنى الطريقة اللي غنستعملوها اليوم في لا كونجيكاسيون راه هي نفس الطريقة اللي استعملناها في لا grammaire. Comme pour la science de grammaire, le support proposé, داك السند اللي هو اقترحنا, est extrait, غادي يكون مقتبس مناش من الدروس اللي قريناهم في لا كومونيكاسيون ولا لا ليكسيو في لو ديالوغ كومونيكاسيون ديالوغ لا ليكسيو. بمعنى ان التلاميذ راه شافوه وقراوه ماشي امبوزينا عليهم ماشي فرضنا عليهم ماشي شي حاجه اللي هي جديده ما شافوهاش. اي اكستري بمعنى مقتبس دي دوكيمون ديجا ايسيديي من الوثائق من الدروس اللي قريناهم ديورون لا سيكونس خلال الوحده. ما غاديش نقدم واحد السيبول اللي قريناه مثلا في الوحدة 5 وانا راني في الوحدة 7 لا غادي نقدم السند اللي قريتو في الوحدة 7 لانني راني في الوحدة 7 اما الوحدة 6 كملناها دائما اون غولاسيون افيك لا سيكونس. توت لي نوسيون جميع المفاهيم اون لونغ سون بريزونتي اون سيتياسيون دو كومونيكاسيون اي نون فيزوي. اذا حيت بغي نقدم داك السند راه ما سناخذش الورقة أو لا الكتاب أو لا المانيول أو لا لافيش ديالي ونبقى نكتب في السبورة. لا il faut extraire le support en collaboration avec les élèves. Ça veut dire les élèves en posant leur des questions ils vont essayer ils vont si vous voulez en leur posant des questions ils répondent pour extraire si vous voulez le support qu'on va étudier et pour expliquer la leçon ou bien la notion nouvelle. Toutes les notions en langue sont présentées, c'est-à-dire que nous avons jamais les mafahims, en situation, bien معنى, في وضعية ديال حوار. Ma bim tlimid ou l'ou, l'ou sain. De communication est non isolée. Mais il ne peut pas n'azil d'ak l'ou sain pour n'jim ou n'hattou bla ma yishak ou m'ani m'ayya tlam. La, c'est qu'on واحد, واحد الحوار ما بين تلام والأستاذ l'ou sain, باش يشاركوا ويعرفوا هاد السنة اللي كتبنا في السبوره بان راه قراو وعندهم عليه بعدا معلومات. اش غادي يبقى لنا؟ غادي نشرحوا لنا النوسيون ديال لي فيرب دو برومي جروب باغ اكزومبل اللي عندنا في هاد البلاصه. الوغ ابري افوار بريزونتي لو سيبور
avec en collaboration avec les élèves, et l'écrire au tableau, hein, l'écrire au tableau, lecture magistrale, quand on dit lecture magistrale, regardez lecture magistrale, ça veut dire une seule lecture qui est faite par le professeur, ce qu'on appelle al-qira'a al-namudajiya min taraf al-ustad. Lecture magistrale du support par le professeur. Il doit être lente, expressive pour donner un modèle aux élèves et pour leur donner un modèle de prononciation. Après la lecture magistrale, il vient lecture individuelle. Regardez ici la lecture magistrale, il est au singulier, mais ici lecture individuelle, ça veut dire qu'il y a, il est au pluriel. Pourquoi? Parce qu'il y a 3 ou 4 ou 5 livres sur 5 élèves qui vont lire. Donc, on ne s'arrête pas à une seule lecture individuelle, mais il faut 3 élèves, 4 élèves, 5 élèves, selon le support. Par quelques élèves. Qira A, Fardia, Mintaraf, Salam. L'étape 3, la marhala Sita, observation, réflexion et conceptualisation. Observation, Moulahada, Watsukir, Watsaswar. Alors, relever. Regardez ici, nous avons un verbe du premier groupe qui est conjugué sans sujet, relever, issakhrij, ou issakhrijou. Donc c'est l'impératif, c'est un ordre donné aux élèves, relever avec les apprenants. Issakhrijou. Ou nin issakhrij, ma'at salami, hein, madame issakhrij. Le verbe, ça s'khrij le verbe, l'infinitif, la personne, à quelle personne, première personne, deuxième personne, troisième personne du singulier, ou bien le pluriel, à laquelle il est conjugué. Trouver le temps et le mode. On va chercher le temps, zaman dialo, ashman zaman fash tsarrafa le verbe, et le mode, nom dialo, le mode dialo, wash indicatif ou l'impératif ou la suite.